Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec un tuto déco très simple pour réaliser un abat-jour en corde. Pour réaliser ce tuto, pas besoin de beaucoup de matériel, il faudra un support d'abat-jour, de la corde et un pistolet à colle chaude. Je commence par coller la corde tout autour de l'anneau du haut de l'abat-jour. Donc moi j'ai bien pris de la colle transparente. Attention parce qu'il y a certaines colles pour les pistolets à colle qui peuvent être teintées ou qui sont légèrement jaunes. Là au moins avec de la colle transparente je peux mettre la dose de colle pour que ça tienne bien. Et en séchant ça ne se verra pas puisque ça sèche bien transparent. Ensuite, j'enroule la corde autour de chaque rayon et je place un point de colle pour que ça tienne bien. Et je continue comme ça jusqu'à remplir entièrement l'abat-jour. Donc comme vous voyez, c'est très simple, il n'y a absolument rien de compliqué. Par contre, c'est assez long et fastidieux. Et plus votre abat-jour sera grand, et évidemment, plus ce sera long. Et pour terminer, comme au début, je vais coller de la corde tout le long de l'arceau du bas de l'abat-jour. Et voilà, l'abat-jour est terminé. Donc ça fait un abat-jour qui est très sympa pour vraiment pas grand chose. Moi ça ne m'a vraiment rien coûté puisque j'avais déjà de la corde qu'il me restait d'un précédent projet et j'avais déjà un gros stock de colle à pistolet à colle. Alors prévoyez le stock parce que ça consomme quand même pas mal. Et ensuite le support de l'abat-jour c'est de la récup. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de déco et si vous êtes vous aussi déjà lancé dans la customisation d'un abat-jour en corde ou avec autre chose puisqu'on peut customiser des abat-jours avec d'autres matières. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye !